Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 mode menu PC pour tout simplement vous présenter le quad cette fois-ci. Alors avant de parler du quad, plus précisément du Dinka, je vais revenir sur 2-3 choses. Donc déjà pour vous dire que tout concernant le Hummer, le Slam Van Truck ou le Squaddy hein, comme vous préférez, hein, le Slam Van Truck ou la Scout, les trois vidéos customisation, enfin présentation, customisation et test sont disponibles. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous les avez pas encore vus, n'hésitez pas à aller dans la description, vous aurez les liens pour voir d'autres vidéos de customisation. Ensuite, ces trois véhicules là, je ne les ai pas encore fait en vidéo de customisation. Ces trois véhicules qui ont été d'ailleurs la Brioso 300 hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, mais il y en a quelques-uns qui me l'ont dit, la Brioso 300 a été retirée. On pouvait l'avoir gratuitement à Noël. Elle a été retirée depuis 2 semaines et elle n'est pas revenue pour le moment. Donc dites-moi si c'est sur ces trois véhicules, vous voulez que je fasse des customisations, présentation, customisation et test de ces trois véhicules. Parce que bah j'en ai déjà deux en ligne, hein, j'ai les deux là. Donc la Jeep Police et la Toreador. Donc dites-moi si vous voulez des vidéos customisation sur ces trois véhicules et je vous les ferai avec plaisir. Hein. Ensuite, il y a quand même des véhicules un peu plus chers. Comme l'Annihilator Furtif. Et l'Alconost. Dites-moi si aussi vous voulez une vidéo présentation, customisation et test hein, de l'Alconost ou encore de l'Annihilator Furtif. Comme ça, avant de les acheter, bah, vous voyez un peu ce que ça donne au niveau des ajouts, hein, des modifications des véhicules et puis tout ça, quoi, des armes qu'on peut ajouter dessus et puis au niveau de la conduite, quoi. Même si vous avez pu les tester hein, avec le DLC Caio Perico, vous pouvez les tester en mission préliminaire pour la préparation du braquage. Donc, mais dites-moi si vous voulez une vidéo présentation, customisation et test aussi sur l'Alconost et l'Annihilator si ça vous intéresse. Et j'en ferai davantage. Ensuite, on a ces deux bateaux là, mais bon, on a pu les tester vite fait en braquage. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo test, mais bon, je vois pas, c'est pas trop intéressant. Ou alors je vous ferai une seule vidéo pour les deux bateaux. Enfin, voilà, vous avez le choix. Donc il y a pas mal de choses à faire encore hein, si ça vous intéresse. Voilà, il y a pas mal de contenu que je peux encore ajouter à la chaîne. Donc si tout ça vous intéresse, bah dites-moi tout ça en commentaire et ce sera avec plaisir. Allez, on se concentre maintenant, on va y arriver sur le Dinka. Donc voilà ce petit quad hein, qu'on peut tester en plein braquage hein, sur Caio Perico quand vous êtes en préparation pour la recherche tout simplement des objectifs secondaires et du principal aussi en même temps. Vous pouvez tout simplement tester le quad qui est à différents endroits de se positionner sur la map. Donc voilà, pour la plupart je pense que vous l'avez déjà essayé. Donc voilà, c'est un quad qui a l'air plutôt costaud quand même, hein, qui a l'air plutôt sympa. Après, il faudra voir au niveau de la customisation ce que ça donne. Au niveau de la conduite, il avait l'air pas mal, hein, on l'avait déjà testé, hein, pour rappel en vidéo. Donc voilà, bah, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Concernant le véhicule IRL, bah, comme je vous ai dit, hein, quand c'est des vidéos comme ça sur PC et que le véhicule n'est pas encore sorti, bah, pour l'instant, j'en parle pas trop, on se concentre vraiment que sur le véhicule. Et quand le véhicule sortira sur GTA Online, alors là, à partir de là, je vous ferai une vidéo avec... l'ajout de quelques vidéos du véhicule IRL tout simplement. Donc voilà. Allez, on va monter sur ce quad. Sur ce Dinka Virus. Ouais, il faut qu'il mette son casque avant. Le bruit est sympa, hein. Ouais, non, franchement, il est sympa. Allez, on va aller jusqu'au LS Custom. Attention, virage sec avec les quads, hein, parce que forcément, bah, vous retournez. Bon, là, le bateau, c'était pas prévu qu'il soit là, mais bon, c'est pas grave. Bon, par contre, il a pas l'air d'avancer de ouf non plus, quand même. Hein. Faudra voir une fois custom. Après la conduite, hein, c'est un quad, il faut faire gaffe, pas comme je vous ai dit tout à l'heure, pas tourner trop sec parce que bon, la direction est vive, hein, comme vous le voyez. Voilà, hein, ça répond direct quand on tourne. Au niveau de la vitesse, c'est plutôt raisonnable hein, pour un véhicule tout terrain sur route, c'est pas mal. Faudra voir si on peut y changer les jantes ou pas sur ce véhicule, les pneus, voir un peu. Mais bon, après, voilà, c'est une vitesse raisonnable, on va dire, pour un quad. Après, c'est pas les Raptors ou les trucs dans ce genre là quoi comme quad hein. Là c'est plus un quad en mode campagne campagnard pour les mecs qui se baladent en forêt ou en montagne quoi.
va se mettre en vue FPS vite fait. On a le compteur holographique. Le bruit est sympa en tout cas, il est bien le... J'aime bien le bruit du quad quoi. Allez, on va aller custom tout ça. Allez, on est parti pour la customisation du Verus. Donc blindage 100%, frein de course, pare-buffle. Alors, pare-buffle peint, ok. Pare-buffle noir. Bon, on va le mettre noir. Châssis. Munitions bidon d'essence. Caisse de munitions. On va mettre comme ça. Moteur. Niveau 2, 3 ou 4. Bah, niveau 4 forcément. Échappement. Échappement x2. Carbone. Double carbone. Oh, on va mettre comme ça. Ça pas mal. Capot. HCPL. Bagage cabine. Caisse de munitions. Munitions bidon essence, munitions filet camo, caisse d'armes et munitions. Alors on va mettre comme ça, bon, c'est vraiment juste pour vous montrer quoi, un peu la gueule que ça peut avoir une fois avec les machins dessus, mais moi je suis pas fan de ces ajouts comme ça sur les véhicules, je suis pas, c'est pas trop mon délire, mais bon après voilà. C'est histoire de vous montrer, hein, les vidéos elles servent à ça avant tout. Sacoche, sac à dos. Double sac à dos. Bagage, cabine, sac à dos. On va en mettre qu'un à la limite. Que ça cache pas tous les phares arrière, quand même qu'on voit un peu ce que ça donne. Transmission de course, ok. Turbo. Ajouter les roues, alors type de roue. Ah bah visiblement on a le choix hein. Donc c'est soit vous la faites en mode tout terrain. Si voilà c'est... Vous avez envie de le faire en mode tout terrain. Et après on peut aussi le faire un peu plus fort hein, pour ceux qui ont envie de faire de la route avec quoi. Mais bon, c'est un peu space hein, un quad comme ça. Ou à la limite, vous pouvez mettre tuning, ça fait des pneus un peu moins gros, mais bon. Ah, on peut mettre les Endo V2 par exemple. Ils sont pas mal. Allez, on va mettre ceux-là. Après on peut se taper une barre, hein, juste pour vous montrer ce que ça donne en haut de gamme. Hein, mais c'est après c'est chacun ses goûts, hein. Y en a qui vont peut-être mettre ça. Hein. C'est possible. Hein. Mais ouais, non, là ça fait, je trouve que ça fait bizarre pour Squad, même si c'est un délire quoi. Franchement c'est un délire. Ouais. Allez. Couleur des jantes, bah ça on verra après. Pneus, apparence des pneus, on va le mettre. Amélioration des pneus aussi. Fumée, on s'en fout. Bon, allez, ensuite. Bah, les motifs, à mon avis, c'est comme la moto et le Humvee. Enfin, le Squaddy. Voilà, c'est les camouflages. Donc, je vais éviter de pas remettre les mêmes. Enfin, je vais plutôt éviter de remettre les mêmes. On va mettre le... On va mettre le basique. Ensuite. Peinture. Couleur principale. Métallisé. Je vous montrer un peu toutes les couleurs hein, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne.
Ah, on va le faire en blanc. Blanc givre, allez. Bon, ce que vous entendez derrière en fond, hein, c'est une peyote. Hein, parce qu'on est en solo, c'est normal. Hein, ne quittez pas. On entend les oui. Ah, ok, c'est le châssis qui est changé. Hein. Ah, du coup, on pourrait les mettre blancs. Voilà. L'arrière, c'est pareil, du coup, je suppose. Bah ouais, voilà. Tac, ok. Bon, c'est déjà un peu plus joli. Comme ça. Bah, il reste plus que les jantes, et du coup, je pense que je vais les mettre noires. Comme souvent, d'ailleurs. Et puis voilà. Voilà, noir. Ou peut-être blanc. Ouais, non, ça fait bizarre blanc. Ça fait trop de blanc. Allez, on va mettre du noir. Hop! Ah, ouais, c'est vrai que. Alors, juste, on va revenir sur les pneus. Parce que du coup, je vous ai pas monté de tout terrain. Voilà ce que ça donne avec du tout terrain. Quand même. Ah, c'est sympa comme ça aussi. Ouais, celles-là aussi sont pas mal comme ça. Bon, moi j'ai mis des jantes comme ça pour voir un peu avec des pneus route ce que ça donne sur la route, s'il va aller un peu plus vite ou pas déjà. On verra ce que ça donne. Bon, bah voilà, on a fini la custom, hein, les gars. Éclairage. Il y a de l'éclairage là-dessus? Ah bon, je crois que... Putain, vu comment ils étaient faits, je croyais que c'était des autocollants, sans déconner. Ok. Bon, on va mettre les phares Xenon. Hein. On a donc terminé la customisation du Dinka Verus. Donc voilà, bon, après c'est pas des customisations exceptionnelles, hein, c'est vraiment un quad de balade quoi en fait, hein, limite. Hein. Un quad un peu costaud, que tu peux traverser pas mal de petites rivières et tout ça quoi. Mais voilà, c'est clairement pas un quad de sportif ou quoi que ce soit. Hein. Dans ce domaine là en tout cas. Après il est sympa, hein. Moi j'aime bien, voilà comment je l'ai fait, j'aime bien avec voilà, le motif noir et blanc, le châssis en blanc aussi, j'aime bien. Franchement, voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas de ce quad. Maintenant je vais vous laisser, on va se passer au test, je vais vous mettre le compteur en même temps, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. On va faire un petit tour par là comme d'hab, et après on ira sur l'autoroute pour voir sa vitesse de pointe. Puis on terminera sur le circuit pour voir un petit peu ce que ça donne sur le tout petit circuit, donc, vous savez qu'on fait... On a fait avec la moto et avec d'autres véhicules. Allez, on se retrouve sur l'autoroute pour voir un petit peu sa vitesse de pointe, mais à mon avis, voilà, on est déjà attaqué, j'ai l'impression. On va essayer de se pencher un peu pour voir. Oula, pardon. Un peu fait le bourrin avec le joystick. On a fait
Là, si je relâche, 83. Là, ça rebaisse là. Alors, en pente, on va peut-être gagner un peu. 86. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, hein. Clairement. Si on se met en arrière, ça donne quoi si je mets en arrière comme ça? Ah, peut-être. Il y a un peu plus. 37. Mais bon, on est en pente aussi, hein. 87 km hors MPH, pardon. Vitesse de pointe maximale. Allez, on est reparti. Bon, là on va attaquer une petite côte. ...119... ...120 km/h. On a passé une vitesse. ...122... Ouais, bah 139-140 km/h vitesse de pointe maximale pour ce quad. Allez, on passe à la dernière phase de test pour ce Dinka Virus, voir un petit peu ce qu'il donne sur le petit circuit de Redwood. On est parti. Ouais, pas mal. Par contre, c'est comme un kart, hein, ça bronche pas. Si on tourne pas trop sec. Oula. Ouais, par contre, ouais. Voilà. J'ai fait un arrêt sur image là. C'est bizarre. Il est tellement lourd qu'il s'est pas... Il s'est pas envolé sur le petit saut. Ça va, il se gère plutôt bien, hein, pour gagner, pour pas se faire gagner par le poids du quad. On arrive facilement à se remettre sur les roues, sur les quatre roues. Oh, c'est un véhicule sympa, hein. Après bon, faut aimer les quads aussi, hein, forcément. Est-ce qu'on teste? J'y crois pas trop. Ah non, on peut pas. Trop lourd. Oh bah franchement, il est pas mal. Après bon, c'est pas un quad exceptionnel non plus, on va pas se mentir. Mais bon, il avance un peu, il a l'air de grimper un minimum. Alors on pourrait essayer ça pour voir. Hop. Ouais, non, ça va, franchement, c'est plus que raisonnable, hein, pour un quad. Donc voilà les amis, on a fini la présentation, customisation et test de ce Dinka Virus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire de ce quad, s'il vous a plu, s'il vous intéresse la customisation, si vous allez mettre des pneus comme moi ou plus des pneus tout terrain, avec des gens tout terrain. Et puis si vous êtes impatient de le voir ou pas, disponible sur GTA Online. Et puis voilà les potes, hein, donc le gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, hein, si vous pouvez, ça peut toujours m'aider. Oula, le pare-buff, il a pris tarif quand même. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous découvrez la chaîne via cette vidéo. Vous avez pour rappel en description toutes les autres customisations que je vous ai montrées en début de vidéo. Bon, il manque bien sûr les deux, l'avion, l'hélicoptère et trois autres véhicules que je vous ai dit. N'hésitez pas à répondre à ces questions-là. D'ailleurs, si vous voulez voir ces véhicules en customisation et en vidéo, donc en présentation, customisation et test, hein, comme ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis les autres véhicules que j'avais customisés, je vous l'ai dit aussi en début de vidéo. Donc tous ceux qui ont été déjà customisés, je vous les mettrai dans la description. J'aurais plus qu'à aller jeter un oeil si vous avez envie de vous regarder quelques autres vidéos de customisation pour vous donner une idée des futurs véhicules qui arriveront prochainement sur GTA Online. Encore merci à vous tous et à très vite. Ciao.